des pâtes, en veux-tu, en voilà. En cuisine en général ou en pâtisserie en particulier, on manipule différentes sortes de pâtes qui ont pourtant toutes la même source. De la farine à la base, donc une poudre à laquelle on ajoute une matière grasse et un liquide. Ou les deux pour obtenir cette fameuse pâte qu'on fera ensuite cuire. Un petit récapitulatif des différentes pâtes. La pâte brisée, la pâte sablée, pâte à choux, pâte feuilletée ou feuilletage, pâte levée feuilletée, pâte à nouilles, pâte à brioche, pâte déchaudée, pâte royale, pâte à biscuit ordinaire, pâte à popelin, pâte à ramequin, pâte aux amandes, pâte à la duchesse, pâte croquante, feuilletage à l'espagnol. Alors, feuilletage à l'espagnol, hein, la différence avec le feuilletage le nôtre, c'est que ce n'est pas le beurre pour eux, c'est la graisse de rognon de l'œuf. Et pâte à dresser, voilà. Donc, je vais vous lire une petite recette trouvée dans notre vieux dictionnaire culinaire sur la pâte déchaudée, que je trouve assez sympa. Prenez le quart d'un boisseau de belle farine, passez-la au tamis. Faites au milieu une fontaine, mettez-y 2 onces de sel en poudre et la valeur d'un verre d'eau. Cassez dans un vase 20 à 22 œufs, mettez-les dans cette fontaine. Joignez-y une livre de bon beurre, il doit avoir beaucoup de corps et il n'est pas nécessaire qu'il soit très fin. Maniez-le avec vos œufs et petit à petit avec la farine. Finissez de rassembler votre pâte, coupez-la en parties et jetez-la avec force sur votre tour. Cela fait, rapprochez-la près de vous, tourez-la non avec les paumes des mains, mais avec les phalanges de vos doigts. Lorsque vous aurez donné le premier tour, ramassez votre pâte devant vous, recoupez-la et continuez de lui donner 5 à 6 tours de la même manière. Coupez-la bien pour la finir, ramassez-la, mettez-la sur une planche que vous aurez saupoudrée de farine et aplatissez-la. Laissez-la ainsi passer la nuit. Le lendemain, coupez-la par bandes, saupoudrez votre table de farine, roulez dessus ces bandes, coupez vos échaudés de la grosseur que vous le voulez. Saupoudrez de farine en plafond, arrangez-les dessus et sur une de leurs coupures, faites chauffer de l'eau lorsqu'elle frémira pour bouillir, jetez-y vos échaudés. Laissez-les s'échauder sans bouillir, rafraîchissez-les de temps en temps avec de l'eau fraîche. Quand ils seront fermes sous les doigts, retirez-les de l'eau, mettez-les dans un seau d'eau fraîche, changez-les d'eau, retirez-les au bout de 2 heures, arrangez-les sur un plafond, un peu écartés l'un de l'autre et mettez-les au four. Tu connaissais ? Non, absolument pas. Excellent. Hein. Voilà. Ouais. Donc, excusez-moi, j'ai un petit peu bafouillé sur la lecture. Donc, toujours sur le dictionnaire culinaire, notre vieux bouquin français, où c'est toujours assez drôle, les explications. Eh bien, bonsoir à vous. Fred va nous rejoindre. Bonsoir à tous. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit peu de monde ce soir. J'avais une chose à demander. Est-ce que vous avez bien accès à tout ce qu'on a fait avant lorsque vous êtes sur la chaîne? Est-ce qu'à Patreon, là je parle aux abonnés, est-ce que les abonnés ont bien accès à tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire la possibilité de le revoir? Parce qu'ils m'ont envoyé un message bizarre aujourd'hui, là chez Patreon, donc je voulais vraiment être sûr de ça avec vous. Voilà, et puis après, bah, je voulais vous remercier de tous être là encore ce soir. Et puis, bah, je vais essayer de vous expliquer 2-3 petites astuces pour faire vos pâtes. Vous allez voir, les pâtes, c'est super sympa. C'est quand même une des super bases de la cuisine. Bah, voilà, c'est la fête. C'est le petit croustillant qui est amené dans une tarte. Voilà. L'objectif, ça va être, quand on fait une tarte, d'éviter d'avoir des pâtes qui finissent toutes ramollo. Hein ? Il y a du vécu, là, je suis sûr. Tout ça, c'est dans la cuisson. Je vous expliquerai ça dans un autre cours. Là, on va se concentrer sur la fabrication des pâtes. Alors, bah, vous allez tous prendre votre petit crayon et puis bah, vous allez un petit peu noter toutes les petites recettes là, que je vais vous donner. Bah, voilà, donc on peut... On,
On peut peut-être faire un petit coucou, un petit merci à ceux qui sont là. Oui, alors bonsoir Pascal, bonsoir Jean, John, bonsoir Papa, bonsoir Pascal, oui, Yo-Yo, coucou Lionel, Julie aussi, des gros bisous ma Juju, voilà, et puis ben tous ceux qui sont là mais qui ne se manifestent pas, voilà, par la pensée, on vous salue. Voilà, bon, alors, donc on va attaquer avec, avec la feuilletée. La pâte feuilletée, hein, souvent, je sais, vous en faites un monde. Ouais, je te coupe. Ouais. Jean dit, j'ai pas vérifié, par contre, qualité extra, image et son. Bah, oui. Ah oui, oui, parce que ça, là, je voulais vous demander là ce soir si ça allait. Alors oui, bah effectivement, là, pour la semaine dernière, on est vraiment très confus parce que on avait fait ce qu'il fallait et puis ça a très très mal marché. Alors je ne sais pas, je ne sais absolument pas. Là, je m'y suis pris bien en avance. Là aujourd'hui, on a l'électricien qui est venu là cette semaine pour nous vérifier ça. Bon, bah on est à la campagne. Là, vous le savez, hein, ceux qui ont l'habitude de venir, on est à la campagne, on est un petit peu loin de tout. Donc bah des fois, c'est assez fluctuant. Là, je vais vous raconter un truc quand même vachement drôle. Ils sont en train d'installer la fibre dans le bas de notre chemin, c'est-à-dire à 1 km de la ferme. Ils ont fait une tranchée avec un regard qui est à peu près à 60 cm de notre regard qui nous amène la DSL. Et j'ai interrogé les gars en leur demandant « Ah, ben, je leur ai dit, c'est super, on va avoir la fibre et tout. » « Ah non, non, ils m'ont dit, vous, c'est pas prévu. » Mais je dis, attendez, le regard, il est à 60 cm du mien, là, c'est quand même bizarre. Comme, non, vous, c'est pas prévu, il faut faire une demande auprès du conseil régional. Donc, bon, voilà, on nous a bassiné là, durant 5-6 ans avec 100% de la Côte d'Or avec la fibre. Et puis, bon, bah, finalement, bah, quand on est isolé, bah, ça coûte un peu cher. C'est vrai qu'il faudrait amener 900 mètres de câble pour pouvoir venir jusqu'à la ferme. Ouais, bon, c'était juste pour la petite histoire. Bienvenue en France. Hein. Donc, la feuilletée. Bonsoir Fabienne. La pâte feuilletée. Alors, donc vous savez, c'est un grand classique de notre cuisine française. On en trouve des équivalents dans la cuisine européenne, mais jamais aussi bien faites que chez nous. Moi, je vais vous montrer d'une façon simple. Alors, j'ai dû m'avancer un petit peu parce que... Bah, la pâte feuilletée, évidemment, on fait une pâte de base, on fait une pâte de base, on fait une pâte de base. Oui, la pâte de base, parce qu'il y a un petit problème de connexion avec quelqu'un, alors bon, bah, tant pis. Hein. Alors, la pâte de base, donc c'est la pâte brisée ? Non, on est sur la pâte feuilletée, là, mon ami. C'est la pâte feuilletée. Oui. Ah, c'est ça la pâte de base ? C'est la pâte feuilletée. Alors qu'elle je vais répéter tout pour Carole. Elle est pourtant ultra technique. Alors, ouais. Donc, ce que j'expliquais, c'est que la pâte feuilletée, on a d'abord besoin de faire une pâte de base. Voilà. D'accord, très bien. Bon, alors, voilà, pour la pâte de base, hein, vous aurez besoin de 500 g de farine, 200 g d'eau, 10 g de sel. Et c'est tout. Voilà, et ensuite on aura du beurre, mais qui rentrera dans la composition. Plus tard. Un petit peu. Mais vous savez ce qu'elle faisait? Elle était sur son téléphone en fait. Mais chut. Donc, alors, est-ce que chez vous, vous êtes équipé avec l'appareil que j'ai sous la main, avec un kitchenette, ou est-ce que vous faites les choses à la main? Est-ce que vous pouvez nous mettre des petits messages pour nous dire, c'est parce que c'est important, ça, que je le sache. Je les reçois. T'énerve pas, Fred. Non, je m'énerve pas, c'était super rigolo. Alors, donc, le kitchenette, c'est quand même vachement bien. C'est quand même vachement bien parce que quand on veut s'attaquer à des pâtes, moi, je veux bien que vous les fassiez à la main, il n'y a aucun souci. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je ne les fais plus à la main parce que j'ai les poignets qui sont un petit peu dans le vrac avec les années de cuisine. Donc, bah, quand je fais des pâtes à la main, c'est un petit peu plus long. Et c'est vrai qu'après, je passe des nuits un petit peu difficiles. Bon, bref. Donc, si vous voulez la faire à la main, vous mettez votre farine dans un récipient, dans un saladier. Vous rajoutez votre eau.
Et puis, bah, vous mettez votre sel, hein, et vous faites une pâte qui est bête, hein, qu'on va appeler donc la pâte de base. Voilà, et qui nous servira ensuite à faire notre feuilletage. Alors, essayez de faire cette pâte la veille. Vous la mettez dans le frigo de façon à ce qu'elle repose et à ce que les gluten se reposent et se redétendent. Parce que sinon, ça va faire des pâtes très, très élastiques. Et c'est l'inverse qu'on recherche, parce que sinon, c'est une vraie galère après si on veut les étaler. Et là, on va faire un étirement vachement long quand même avec le beurre. Voilà. Ben... Donc, Pascal est équipé, Jean ouais. également et voilà. Jean-Pierre Méric aussi. Bon. Okay. Et puis donc, tous les autres, vous n'êtes pas équipés. Hein. Mais, non, mais c'est pas... Si, si, Lionel est équipé. Hein. C'est pas une obligation, hein. C'est juste bah, que c'est quand même vachement pratique. Toi, tu en avais un ? Oui, puis je l'ai offert à, je l'ai offert à Lionel, mon, mon... Ah, on va tout savoir. Bah oui, j'ai offert mon, ouais. mon KitchenAid à mon frère. Non, mais bon, voilà. Voilà. Là, les KitchenAid, les prix sont quand même vachement plus ouais. bas. Hein, maintenant. Même au niveau des couleurs. Hein, tu ouais, crois, c'est vrai ouais. qu'il y a 20 ans, là, ils étaient vraiment très, très chers. Là, maintenant, c'est hyper accessible. Alors, donc, je vous ai expliqué. Donc, on a fait la pâte hier. Fabienne aussi, hein, est équipée. Ah. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est de l'eau. C'est de l'eau avec de la farine. Et puis, avec, il y en a deux qui suivent, du sel. Voilà. Voilà. Donc, voilà. On a eu une pâte qui n'est ni trop molle, ni trop dure. Parce que si elle est trop dure, eh ben, vous allez avoir du mal à l'étaler. Ouais. Alors, j'ai noté quelque chose tout à l'heure, mais dans mes petites recherches, ouais. Donc, où j'ai appris que toutes les pâtes vieillissent plutôt mal. Les pâtes vieillissent mal, oui. elles ont tendance à noircir. Oui. Voilà. Alors, pour éviter cela, donc on les emballe dans des films étirables. Ouais. Et j'ai même noté qu'un peu de vinaigre blanc, ouais, ça peut le faire. Ça ouais. peut le faire. C'est une contre-oxydation. Alors, c'est vachement intéressant là, ce que tu nous dis. parce que vous remarquerez une chose, c'est que si vous utilisez des farines bio, des farines non traitées, vous allez avoir une pâte qui va devenir grise, effectivement, parce qu'elle va s'oxyder très, très rapidement. Par contre, vous remarquerez que si vous utilisez de la bonne farine francine, pour ne pas la citer, alors là, la pâte, là, vous pouvez la garder un sacré bout de temps dans votre frigo avant qu'elle devienne grise. Bon, moi, je dis ça, je ne dis rien. Nous, à la ferme, moi, ce que je fais, j'ai une machine sous vide. Donc, quand on fait nos pâtes, on les met sous vide. Ensuite, ce qui enlève l'air... Et ce qui fait qu'on peut les garder pendant une bonne semaine. Après, nous, là, l'intérêt, c'est d'en faire des grosses quantités. Donc, alors. Alors, il y a Jean qui me ouais. qui demande à ce que. Si vous me coupez sans arrêt, moi, je vais. Oui. Voilà, je vais rien pouvoir faire. Bon, mais... alors, Jean, 500 g de farine. Ouais. 250 g d'eau et 10 g de sel. Voilà. Je ne dis pas le reste. Voilà. Allez, hop. Est-ce que vous voyez bien là ? Ah, je pense que oui. Alors, donc la première opération, on met un petit peu de farine. Hein, un petit peu de. Là, comme ça, hop, sur le plan de travail, un petit peu sur notre boule. Oui, parfait. Ouais. On te voit. Je réécris la... les ingrédients. Ah bon ? Bah oui, parce que ah, comme ça. Okay. Bon. Alors ensuite. On va faire une étoile. Alors, vous allez voir. On tourne comme ça gentiment. Et on fait une petite étoile. Vous allez bien comprendre pourquoi après. Voilà, vous étalez gentiment, sans trop appuyer. Alors, c'est vachement bien d'avoir des rouleaux à pâtisserie comme ça, simple. Sans les deux poignées. Parce qu'avec les poignées, eh ben, la tendance que vous avez, c'est à appuyer sur votre pâte. Il ne faut jamais appuyer. Il faut mettre des petits coups de rouleau. Alors là, en vrai, je l'ai faite là tout à l'heure, donc elle a à peine assez reposé. Donc, bon, je vais un petit peu galérer parce que
On va avoir des bons petits gluten qui vont être bien en action, là. Alors voilà. Donc, vous faites comme ça, sans que ce soit trop fin. Alors, ensuite, une fois qu'on en est là, on va pouvoir mettre le beurre. Alors, ce qu'il est important de faire, c'est de bien sortir votre beurre avant. C'est-à-dire que la densité du beurre doit être égale à la densité de notre pâte. Donc, si la pâte elle est un petit peu molle, eh ben, votre beurre il doit être un peu mou. Et si la pâte est un petit peu dure, ben, le beurre doit être un petit peu plus dur. Alors donc, le beurre, il nous en faudra 300 grammes. Il y a Pascal qui dit que l'image s'est dégradée. Ah. Ouais. Alors c'est peut-être chez toi, Pascal, parce que, alors en principe, on le sait lorsque l'image se dégrade, parce qu'on a une petite indication là, et là, je ne l'ai pas, je ne la vois pas. Attends, je regarde. Non, là, on est bien, nous. Hein ? Ouais, ben, c'est à fond. Ouais, là, on est à fond, ouais. Oh, c'est embêtant. Ouais. Donc, je prends mes 300 grammes de beurre qui ont été ramollis. Alors, bon, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Non, oui. Directement. Hein. Voilà. Hop. J'ai coupé à peu près ce qu'il fallait. Donc, je mets mes 300 grammes de beurre au centre de la pâte. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rabattre les quatre côtés, là, comme ça. Alors, il y a un ustensile qui est très, très pratique, la balayette. Alors, une fois, j'avais mis une photo sur Facebook avec ma petite balayette, là. Oh, c'est beau. Et j'ai une dame qui m'a fait un commentaire en me disant que c'était sale de nettoyer le plan de travail avec la balayette. Évidemment, bon bah comme vous vous doutez, c'est une balayette qui ne sert qu'à faire la farine sur les plans de travail. Donc, une fois que vous avez fait ça, bien refermé, vous allez attaquer à bien étaler. Mais alors doucement, vous n'appuyez surtout pas. Hein. Mettez bien les petits coups de rouleau. Parce que sinon, on craint la fuite. Parce que sinon, ce qu'on va faire, eh ben, si on appuie, ben, c'est qu'on écrase. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est étaler. Tout à fait. Oh, mes chères assistantes, vous êtes bien en forme ce soir. Ah, mais oui. Voilà. Hein, donc, on met des petits coups de rouleau. Ah, ici à Toulouse, l'image est très belle, dit papa. Ouais, je pense que peut-être, Pascal, ça vient de toi, parce que c'est quand même lourd. Hein. Il faut vraiment du Wi-Fi qui marche vraiment bien, parce que bah, logiquement, on est en haute définition. Alors après, ce que tu peux faire, Pascal, c'est tu regardes sur YouTube. Il faut bien regarder les vidéos sur YouTube. Hein. Et quand vous êtes sur YouTube, vous pouvez régler en fait la définition. Mmh. Ou être en 720 ou en 460, des fois ça passe mieux. Bon, voilà. Alors vous étalez jusqu'à une épaisseur d'à peu près, on va dire, un demi centimètre. Hein. Alors ce qu'il faut essayer de faire, c'est de rester bien droit, bien carré. Hein. Plutôt, ouais, si je disais rectangulaire, ça serait peut-être un petit peu plus juste. Donc voilà, mettez bien des petits coups. Et voilà. Quand vous êtes là, avec votre petite brosse, vous enlevez l'excédent de farine. Et là, vous allez bien regarder, là. Est-ce qu'on voit bien, là ? Ah oui. Ouais. Alors là, regardez bien. Je plie. Ah,
Est-ce que vous avez vu tous? Est-ce que vous avez bien compris? Répondez pas tous à la fois. Ouais, ne répondez pas tous à la fois. Hein, mais ouais, peut-être suivre, hein, peut-être quand même. Hein. Hein? Alors, là. Hop. Et ensuite. Hop. Est-ce que vous avez bien compris ou est-ce que vous voulez que je refasse? Écoute, il ne se manifeste pas, okay. Sauf Fabienne qui dit, et ça, c'est pas toujours facile d'être carré. Voilà. Ouais, ça c'est le. Pascal dit c'est OK. Ouais. Ouais. OK. Donc, je continue. Donc lorsque vous êtes là, donc vous avez vu, j'ai passé un petit coup de balayette. Hein, à chaque fois. Là, vous remettez un petit peu de farine. Vous essayez de remettre une jolie forme bien carrée. Et ensuite, on va recommencer. Alors. L'avantage de ce rouleau, c'est qu'on a bien la possibilité de pouvoir rectifier. En fait, là, je vois que ça part un petit peu par là. Hop, là, je repousse comme ça. Ah, vous êtes discipliné. Hein, oh là 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 là, non mais vu, oui, non mais ça va. Sauf que c'est Lionel, j'ai pas compris. Mais qu'est-ce que t'as pas compris, Lionel? Ah bah, je vois pas ce que t'as pas compris, hein, là, Yo-Yo. Eh bah, tu la reverras en replay et puis c'est tout. Voilà. Demande à Julie. Elle t'expliquera. Je vais vous remontrer tout à l'heure avec un petit torchon. C'est ce que je fais avec mes employés tout le temps. Donc voilà. Hein. Bien fariné. Et on recommence et on étale. En essayant de rester bien rectangulaire. Et bien régulier. Sans appuyer trop. Voilà. Là, je vais juste remettre un petit coup dans l'autre sens, histoire d'être un petit peu plus large. Et je continue, et je continue, et je continue. Encore un peu, parce qu'on est un tout petit peu épais, là. Combien d'épaisseur, à peu près, à moi? Un demi centimètre, c'est qui, hein, qui demande ça, là, parce que j'avais déjà... Non, dit, c'est là. Moi, c'est moi. Ah, bon, oui, mais sur tout le long, c'est pas grave s'il y a l'extrémité. Non, il faut que ça soit très très régulier. Ah oui, donc très régulier. Si vous voulez faire des beaux feuilletages, ben nous on a beaucoup d'applications à faire ça parce que vous savez que lorsqu'on fait nos vols au vent, si le feuilletage est mal fait, vol au vent, moche. Bon, alors Lionel, ouvre tes yeux là. Alors regarde, je prends là. Je replie pour arriver jusqu'à peu près à la moitié. À la moitié, voilà. Tu vois, c'est très simple. Là, hop, jusqu'à la moitié. Et ensuite, hop, l'autre côté, jusqu'à la moitié. Donc, tu es bien d'accord que quand je vais replier sur le milieu, eh ben, ça va me faire un petit carré. OK ? Là, là. Alors là, je plie jusqu'à la moitié. Là, jusqu'à la moitié. Encore un coup? Allez, encore un petit coup. Là, hop, moitié, hop, moitié. Et ensuite, je replie le tout en deux. Alors maintenant... Beau petit portefeuille. Voilà. Je vais la mettre à refroidir et à reposer. Alors, s'il y en a qui ont suivi, vous avez compris que c'était pour éviter l'étirement des gluten. Parce que sinon, on va les saturer et on ne pourra plus rien étaler, ça va être très, très élastique. Alors là, moi, ce que je fais, je prends un petit papier film et puis, hop, je la mets dedans. Et je la mets dans mon frigo. Oui, c'est un frigo, hein. Le tiroir. C'est ouais. Un frigo. Ouais, c'est pas un faux frigo. Hein. Alors, la petite balayette, c'est super pratique parce que, là, regarde. Là, j'ai toute ma farine. Hop, je la récupère. On ne jette rien. Est-ce que vous avez des choses à demander? Fabienne parle des gluten. Tu as une question à poser vis-à-vis des gluten, Fabienne?
parce que, je ne sais pas, elle parle des gluten. Qu'est-ce qu'elle dit ? Juste les gluten, voilà. Donc, si elle avait des choses à demander. Bah, les gluten, c'est super élastique, hein. C'est ce qui fait lever le pain. C'est pour ça que les pains industriels sont aussi hauts, alors que les pains qu'on fait avec des blés entiers qui ont beaucoup moins de gluten lèvent moins. Hein. Alors que quand c'est industriel, bah, ça lève. Est-ce qu'on voit ma petite balance là ? Ouais. Alors. Maintenant, ce que je vous propose de faire... Elle dit non, je réponds aux questions pour ne pas me faire engueuler par le chef. Ah, pardon. Ah, bravo, bravo, bien. Bravo, Fabienne. Bravo, Fabienne. Ben, il y en a une qui suit. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire du pain. On pourra refaire une soirée exprès. Mais là, je vais juste vous montrer à faire du pain de façon simple, rapide. Et très bien. Efficace. Voilà, et oui. Très efficace. Donc, nous allons faire le pain. Ouais. Oui, alors le pain. Ouais, on va y aller. Alors, pour les ingrédients pour le pain, vous avez 1 kg de farine, 700 g d'eau, 300 g de levain et 20 g de sel. Donc, je répète, 1 kg de farine, 700 g d'eau, 20 g de sel et 300 g de levain. Je vais le noter dans les commentaires. Ah, bravo, mon ami. Voilà. Alors, 20 g de sel. Vous pouvez utiliser du super sel, hein. Par exemple du sel de Maldon ou du sel de Guérande. Voilà. Hop. Tac. J'aime bien prendre un petit fouet. Alors que ça va vous faire du bruit là, vous allez voir. Donc ensuite je mets 700 g d'eau. Alors vous savez hein, que l'eau ça peut éventuellement changer hein, suivant l'hygrométrie de la farine, suivant le temps. Ça peut changer, il y aura des moments où il en faudra un petit peu moins, un petit peu plus. Bon, ça peut avoir une variante jusqu'à 50 g, mais. C'est vraiment le max. Mais tu m'avais expliqué aussi que ce qui changeait le goût du pain, c'était la qualité de l'eau. Ah bah c'est-à-dire oui, qu'une eau de source c'est toujours mieux. Amène un goût beaucoup plus pur. Alors nous, on a sur notre fourneau, on a un robinet avec une osmose à inverse. Parce qu'en fait, l'eau du robinet... S'il y a de la javel, hein, c'est pas... Voilà, quand elle est calcaire et javelisée, c'est ce qui donne ce goût un peu acide au pain. Ouais. Et puis c'est surtout que s'il y a beaucoup de javel dedans, vu qu'on va travailler avec du levain naturel, et ben notre levain, il va être tué, quoi. Donc, vous mélangez bien. Vous mélangez bien votre sel, vous faites fondre. Voilà. Et ensuite, on va rajouter notre levain. Alors, c'est bizarre, il n'y a personne qui demande ce que c'est que le levain. Le poids de la farine, donc le poids de la farine, c'est 1 kg, Jean. Là, c'est pour 1 kg. Mais je le note, hein, je le note, je vous l'envoie. On en note. Alors, le levain, est-ce que vous savez ce que c'est ? Voilà. Ça, c'est notre levain, nous, qui nous sert au restaurant. Bah, dis donc, alors ce soir, je suis bon. Hein. J'ai pesé 300 g de beurre du premier coup. Là, je chope 300 g de levain du premier coup. C'est le moment de demander à l'univers qu'on fasse des souhaits. Voilà. Voilà, mon amour. Je t'aime. Donc, on a mis notre levain. Maintenant, on va mettre notre farine, donc le levain. Alors, si vous voulez faire du levain chez vous, le plus simple, c'est d'avoir un... C'est quoi le levain ? Voilà, demande Martine. Ah, bah merci Martine. Coucou Martine. Merci beaucoup Martine. Elle est sympa, hein, hein ouais. Lionel dit levain rouge, je connais. Oui. Donc, le levain, bah oui, Lionel, toi, tu connais parce qu'on en a déjà parlé. Donc, le levain, bah, c'est très simple. C'est où vous trouvez un ami qui fait déjà du pain.
et qui a fait son levain et qui vous en donne. Moi, par exemple, mon levain, je l'ai lancé quand je me suis installé ici, donc en 2002-2003. Et c'est le même. Alors, c'est le même régénéré, une fois semaine. Alors, ce que vous faites, si vous voulez en faire, vous prenez de la farine, une bonne farine bio. Hein. Alors là, par contre, ça, c'est indispensable. Hein. Vous allez prendre une farine qui va être à la température de votre cuisine. Vous allez rajouter de l'eau de source dedans. Vous allez faire une pâte légèrement liquide. Mais quand je dis liquide, lorsque je dis liquide, ça veut dire je ne suis pas en train de dire de faire de la pâte à crêpes. Hein. C'est une pâte qui aurait la consistance d'une, je sais pas, d'une pâte à choux, quoi, hein, un petit peu molle. Voilà. Donc avec l'eau, vous mélangez bien, vous mettez ni sel ni rien. Vous allez mettre un papier film sur votre récipient et vous allez attendre 24 heures. Et puis vous regardez ce qui se passe au bout de 24 heures. Alors si c'est une super farine, vous allez avoir des levures qui vont être actives très très rapidement avec l'eau, qui va leur redonner vie. Et alors, à ce moment-là, vous allez avoir une formation de petites bulles. Là, qu'est-ce que vous faites? Alors, il est possible que ça mette 24 heures ou 2 jours ou 72 heures. Enfin bon, donc, à partir de ce moment-là, vous faites quoi? Avec la farine, vous en rajoutez dedans. Alors, il faut bien faire attention à choisir une farine bio et que ce soit la même. Ça, c'est très, très important parce que si vous en prenez une autre, il y aura des levures qui vont être autres. Voilà, c'est très simple à comprendre. Donc vous régénérez un petit peu votre levain. Alors, admettons que vous ayez démarré avec 250 grammes, vous allez rajouter 100 grammes de farine dedans. Donc, vous allez réensemencer, vous allez remettre un petit peu d'eau, et vous allez remélanger, et vous allez relaisser. Et vous allez voir, au bout de 24 heures, ou peut-être un petit peu plus, les petites bulles vont commencer à devenir un petit peu plus importantes. Alors, si ça marche bien, ça va être le moment de pouvoir faire le pain, la première fois. Et au fur et à mesure que vous prenez votre levain, à chaque fois, vous le régénérez avec de la farine, la même farine. Voilà. Donc, à chaque fois, si vous dites, nous sommes vendredi, je vais faire du pain pour mon week-end. Donc, vous prélevez, par exemple, 250 grammes de levain, et vous rajoutez 250 grammes de farine dedans avec de l'eau, vous remélangez et puis vous le gardez. Alors, au bout d'un moment, lorsqu'il est bien lancé, vous le gardez au frigo. Au frigo, ça marche bien. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris? Ouais. Lionel, ouais. Il y a Fabienne qui dit oui, mais le levain, c'est pas facile en hiver quand il ne fait pas très chaud dans les maisons. Donc ce qu'il faut envisager de faire pour le pain, c'est des fermentations lentes. Ça, de toute façon, c'est indispensable. Si vous voulez avoir du pain qui a énormément de goût, le plus la fermentation est longue et le plus il aura du goût. Le plus vous faites rapide, le plus vous faites chaud et le moins ça aura de goût. Et le plus, ça va aller vers du pain qui va être un petit peu acide. Voilà. Ce qu'il faut savoir, mon ami Roland Feuillat m'a expliqué, il me disait que dans le temps, les boulangers qui faisaient des pains acides, ils étaient virés. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 ou 15 ans, c'était la grande mode. On trouvait des enseignes issues de l'industrie qui vendaient des choses au levain et c'était toujours acide. Alors, ils faisaient brioche au levain, ils faisaient du pain, ils faisaient tout un tas de trucs. Alors, c'était acide. Et en fait, ça a été une mode. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'acidité dans le pain, c'est un gros défaut. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est plutôt avoir le goût de ce qui est à l'extérieur, hein, du blé, du champ, et puis de la farine, quoi. Donc, voilà. Donc, des fermentations lentes. Nous, on fait des fermentations sur 24 heures. Donc, sur 24 heures, vous allez mettre la pâte une fois qu'elle va être faite. Vous allez la mettre à peu près à entre 10 et 12 degrés maxi. Ce qui fait que la fermentation va se faire lentement et avec du temps. Donc,
Maintenant que j'ai mon eau, mon sel, mon levain, je vais rajouter ma farine. Alors moi, j'ai une super farine de chez mon copain Roland, les maîtres de mon moulin. Alors vous pourrez aller regarder sur son site, hein. C'est pas du tout on a pour lui faire de la pub, mais c'est que c'est la meilleure farine qui existe. Hein. Ah oui, la meilleure du monde. Donc vous allez voir sur son site, ils font des envois. C'est une farine qui est entièrement bio, qui est issue de blé ancien, donc avec des gluten très très bas. Bon, voilà, c'est extra, ça marche bien. C'est moulu au fur et à mesure, donc c'est-à-dire que quand vous la commandez, elle va être, moulue la veille et puis bah, vous allez la recevoir ou le lendemain ou deux jours après. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le plus elle est fraîche et le plus les levures elles vont être actives dedans. Voilà. Donc là, bah, je vais rajouter, je fais ma tare et je vais rajouter. Pour ceux qui ont suivi, voilà. Un kilo. Un kilo. Alors, Fabienne dit que dans les pays de l'Est, le pain est aussi acide. Bah ouais, bah parce qu'ils maîtrisent mal le truc. Ouais. Bah ouais, je sais. Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où ça peut être acide. Voilà. Là, j'ai un kilo. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, avec le Kitchen Aid, je vais vous montrer. Il y a des outils différents, ouais. Ça, j'aurais pu bah, vous le montrer depuis le début. Le crochet à pâte. Et la feuille, et puis il y a aussi le fouet, hein, qui est un gros truc, mais dont on ne se servira pas aujourd'hui. Donc ça, évidemment, ça pour le pain, ça ne servira pas. Le crochet, eh ben, vous allez me dire, ah oui, oui, ça c'est l'outil qu'il faut. Eh bien, pas du tout. Il va falloir que vous alliez fouiner sur eBay. Il y a un gars qui a fabriqué ça, qui l'a fait faire, et qui le vend. Voilà, et qui s'adapte sur le Kitchen Aid. C'est spécial pour pouvoir faire du pain. Alors, je ne sais pas si vous voyez là la forme. Ah oui. Est... Ah ouais, ouais. Hein ouais. Elle est très, très différente. Bah, j'ai peut-être noté le nom de cette forme-là. Voilà. De... Et ben, le nom exact. Ça s'appelle comment? La queue. La queue de cochon. La queue de cochon. Ah. Bon, très bien. D'accord. Bon, alors, donc, queue de cochon sur eBay. Ouais. Ou... Vous allez regarder ça sur eBay ou vous tapez sur Internet. Avec la référence de votre Kitchen Aid. Et puis, bah, vous allez trouver un site là, qui vend ça. Et c'est vachement bien. Alors ensuite, hop, on met ça sur notre Kitchen Aid. Je ne sais pas si vous le voyez là ou pas. Non, écoute, ça va, ça a l'air d'aller. Hein. Attendez, je vais me rapprocher. Là. Et ensuite, on va mettre à tourner pendant 7 minutes. Hein. 7 minutes, c'est ce qu'il faut pour avoir voilà, un bon pain. Une pâte bien lisse, mais sans trop. Alors, vous allez bien, bien surveiller au fur et à mesure que votre voilà, là, que la pâte se fait. Je pense que vous la voyez là. Voilà. Se mélange tranquille. Donc ça, l'avantage, c'est que ça va faire du pain qui se garde. Hein. Par exemple, si vous le faites le mercredi jusqu'au dimanche, il y a zéro souci. Encore une fois, faites très très attention avec votre eau. Donc lorsque vous êtes à peu près à 1 minute 30, 2 minutes, c'est que tout est mélangé. Vous arrêtez et puis vous regardez. Et là, vous pouvez voir si il faut rajouter de la farine ou de l'eau. Parce que c'est comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Suivant le temps, s'il fait froid, si c'est humide... L'hygrométrie de la farine va changer. Alors, là, sur une mesure de 1 kg, bon, ça va être moyen. Mais nous, par exemple, quand on en fait 5-6 kg. Là, sur 5-6 kg, ben, là, ça peut changer. Ça peut changer à peu près de 200 grammes, 300 grammes d'eau. C'est énorme.
Donc là, vous laissez tourner. Ce qu'il faut éviter, c'est que la pâte, ben, c'est qu'elle colle. Il faut éviter qu'elle colle. Il faut qu'elle soit molle, mais non collante. Et si j'utilisais cet outil-là, et ben, vous pourriez voir que ça ne va pas du tout. Ça, ça fait des mauvais pains. Parce que celui-là, il reproduit le geste que faisaient les boulangers dans le temps, à la main, c'est-à-dire, ils faisaient ça. Ils rabattaient le pain comme ça. Ils le remettaient comme ça. On a fait des tests durant le premier confinement avec Carole. Elle l'a même fait. Elle a fait le pain à la main. Alors, c'est hyper dur, hein, parce que si vous le faites à la main, là, il y a un pétrissage qui dure à peu près 20 minutes, une demi-heure. Donc, c'est hyper long. À la fin, bah, on n'a plus d'épaule. Hein. Mais par contre, il est vrai que le résultat est superbe. Le résultat est super bon. Mais à la maison, bon, bah, si vous avez du temps, il faut le faire à la main. Mais si vous manquez de temps, avec le kitchenette, bah, ça va très très bien. Fabienne, je t'ai noté le nom de la farine et je te la remontre en photo. Voilà. Mais je t'ai donné la marque dans les commentaires. Et il y a la deuxième aussi, chez Rodrigo. Pardon. Ouais, celle-là, je l'aime bien, moi. Je te l'ai marqué. Ouais, ouais. Ça, c'était pour la pâte feuilletée ? Ouais. Alors oui, parce que vous savez que... Celle-ci pour la pâte feuilletée. Voilà, parce que ça, c'est de la 45. C'est-à-dire que c'est de la farine qui est très, très fine, qui est très, très épurée. Alors que pour le pain, là, c'est ou de la 80, ou de la 100, ou de la 120. C'est-à-dire qu'il reste encore du son dedans. C'est une mouture qui est un peu plus grosse. Donc, lorsqu'on est à 7 minutes, bon, là, j'ai accéléré un petit peu parce qu'il faut que je vous montre. Hein, là, je ne vais pas rester là pendant 7 minutes là, sans rien faire. Donc, lorsqu'on est à 7 minutes, donc on enlève. Donc, vous voyez, regardez, je touche, elle ne colle pas. Bravo. À la main, c'est usant, oui. C'est ce que John dit, à la main, c'est usant. Ouais, bon. Mais après, John, tu sais, ça donne des super résultats. Hein. Ouais. Là, par contre, à la main, avec Carole, elle en avait fait une fournée, il y avait 8 ou 10 kilos de farine. Ah bah, donc là, bah, tu vois, c'était vraiment gros, mais c'est parce qu'elle voulait vraiment le faire. Et donc, on avait fait ça, mais le pain, il avait levé, mais comme jamais. Quoi. Il avait éclaté. Ouais, ouais. Donc là, j'allais mettre... un petit peu de farine dans le fond d'une plaque. Voilà, bon, moi j'ai ça, mais avec un saladier, hein, ça va aussi. On va mettre un petit peu de farine sur notre plan de travail. Et puis vous allez voir, on va retravailler un petit coup. Un petit coup notre pâte. Alors, un petit peu de farine. On va mettre juste un petit peu de farine autour du bol. Alors oui, il y a un autre ustensile. Moi, j'ai tellement l'habitude de travailler avec tout que je ne vous dis pas. La corne, ça, c'est super. Donc, la farine qui est autour, lorsque vous enfoncez votre corne, elle suit et ça évite, voilà, ça évite que la masse ne colle. Coucou, maman. Donc, une fois qu'on est là, je vais prendre comme ça et je vais rabattre. Une fois, deux fois, trois fois. En fait, je vais faire le geste que j'aurais fait à la main. Voilà. Je rabatte deux, trois, quatre fois. Hop. Voilà. Et ensuite, je prends ma belle boule et je la mets dans ma petite plaque. Tu peux faire un petit gros plan, peut-être, voilà. leur montrer. Ouais. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, on a une pâte, là, voilà, qui va être à lever là, pendant 24 heures. Je le mettrai à cuire demain soir. Elle est souple, elle ne colle pas. Ouais. Voilà. Bah, demain soir, ce que je ferai, c'est que je vous la montrerai parce que vous avez vu qu'on a changé notre live
parce qu'on a notre Carole qui repart vendredi dans le Nord, et comme elle aime quand même bien faire les lives, Bah oui. donc on a décidé de changer notre jour de live. Alors finalement, demain, on sera juste tous les deux, ce que nos deux invités nous ont fait faux bond au tout dernier moment, donc on sera que tous les deux, mais on pourra débattre de tout un tas de trucs, hein. On va trouver plein de sujets sur la cuisine, hein. Là, bah, comme vous aimez bien, et puis Posez toutes vos questions, ouais. voilà, préparez-les. Oui. Donc là, une fois qu'on en est là, si on veut faire une levée lente, eh ben, on va mettre ça à la cave avec un petit papier dessus ou avec un petit couvercle ou un petit chiffon et on va le laisser pendant 24 heures. Voilà. Alors maintenant. Alors maintenant, je vais vous attaquer un truc qui va vous plaire. Tous, parce que je sais que vous attendez depuis un moment. Oh là 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 là. Alors ça, attention, c'est une recette que je vais vous donner, là, qui est ma recette. Qui est ma recette à moi que je ne donne absolument pas. Mais Tant pis là, pour les absents, hein. voilà. Oui. Mais là, comme j'ai décidé de transmettre, eh ben, je vais vous la transmettre. C'est la recette du pâté en croûte. Oh là 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 Voilà. là, oui. La pâte à pâté croûte. Alors, je vais juste mettre un petit peu de propre sur mon plan de travail. Parce que, bon, bah, comme on est en direct, hein, oui, c'est pas bien d'utiliser des éponges sur les plans de travail, c'est propre, machin, tout ça, et puis t'as mis un coup de brosse dessus, et puis tout ça. Ouais. Ok. Et puis t'as ta barbe avec les poils de barbe qui tombent. C'est comme un chevelu. Il y a Fabienne qui dit, et si on parlait d'autonomie demain, ça peut être aussi un sujet. Ah ouais. Ouais. Bah tu le notes, Fabienne. Oui. Hein, tu le mets de côté. Et puis après, si on a parmi vous, hein, qui ont envie d'intervenir de hein, en Ah, si vous voulez faire partie du. S'il y en a qui veulent faire partie du live. Si vous voulez faire partie des invités, par exemple, c'est ça? Ouais, et ben manifestez-vous. ouais, Voilà. s'il y en a qui ont envie. On peut le faire. Moi, je vous envoie le lien. Voilà. Dites, osez. C'est le John, si moment. ça t'intéresse. Hein. Oui. Allez, vas-y. John, Fabienne, il y a qui d'autre encore? Voilà. Allez. Il y a Jean aussi, Ouais. manifestez-vous, On va voilà. continuer. Alors donc, les ingrédients pour la pâte à pâté. Alors, c'est un petit peu compliqué. Hein. Écoutez bien. Ouais, je vais le dire lentement. Donc vous avez 75 grammes d'eau, 5 grammes de vinaigre, 300 grammes de beurre, 15 grammes de sel. Je me croirais à Bon Appétit dans l'émission de Robuchon. Et bon appétit, bien sûr. Donc 15 Allez, grammes de sel, 15 grammes de sel. 5 grammes de sucre, 75 grammes d'œufs, 350 grammes de farine, 200 grammes de fécule ou de pommes de terre ou de maïs. Voilà, pommes de terre ou Voilà. maïs. Bon, alors. Essayez quand même de choisir des ingrédients issus de l'agriculture biologique, hein, c'est quand même mieux. Bon, après, donc voilà. Je vais vous les noter dans les commentaires. Alors là, j'ai déjà mis. Alors bon, moi là, c'est une première parce que nous, quand on en fait beaucoup plus. Hein. J'en fais là, je vais vous montrer. Nous, le kitchenaid, si vous voulez, on s'en sert vraiment pour les petites préparations. Nous, on a plutôt ça. Donc là, on fait 5 kilos de pâte. Et là, avec le kitchenette, je peux pas faire. Ouais. Je peux faire 1 kilo maxi, quoi. La première chose que vous allez faire, vous allez mettre vos liquides. Hein. 5 grammes de sucre. Il manque un petit peu.
Farine, quel type, demande Pascal. Alors là, c'est très important. Tu prends la même farine qu'on a utilisée pour faire le feuilletage. C'est-à-dire Donc avec de la la... 45 ou Oui. de la 55 maxi. Voilà. Si tu veux que ta pâte soit bien croquante, bien croustillante, ce qui est un petit peu l'objectif hein, dans un pâté croûte, il faut que tu prennes de la 45 ou de la 55. Moi, j'essaie avec les farines à pain de Roland. Alors, avec les farines à pain de Roland, ça marche bien. Si ton pâté croûte, tu le manges immédiatement. En principe, quand on s'embistrouille à faire un beau pâté croûte, on a envie de s'en garder un petit peu et avec la farine à pain ou de la 80 ou de la 100 ou de la 120, ouais, voilà, on va dire la tendance au bout de 2-3 jours à devenir un petit peu mou. Moi, j'aime quand même moins quoi, parce que l'objectif, c'est quand même de garder un petit contraste lorsqu'on met dans la bouche la pâte bien croustillante avec la viande bien moelleuse. Alors donc là j'ai mis mon eau, mon vinaigre, mon sucre et puis mon sel. Donc là je vais rajouter mes 75 grammes d'œufs. Alors vous savez que quand vous rajoutez des œufs dans une préparation, on essaye de les mettre avant dans un petit bol à part parce que si vous en faites énormément et que vous avez un œuf qui est mauvais, hop là vous le cassez dedans. Si vous avez déjà mis le beurre et tout, et bien vous jetez tout. Voilà. Donc 75 grammes ça doit faire. À peu près un œuf, ouais, ça va faire un petit peu plus, je pense. Alors, n'hésitez pas à multiplier. Hein. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose là ouais, qui soit un petit peu moins important. Donc, j'ai divisé ma recette bah, par 4. En fait, donc c'est vrai que là, j'arrive à. Ça va faire de quoi faire un pâté croûte, un petit, parce que nous, on fait des pâtés croûtes qui font à peu près 5 kilos, donc qui sont assez grands. J'ai des moules qui font 60 cm. Donc, oui, bon, évidemment que chez vous, si vous faites ça, bah, il y en a pour 40, il y en a pour 40 personnes, quoi. Donc voilà, donc là, j'ai mon œuf, il est. Hop. Donc ensuite, je vais rajouter le beurre. Donc mes 300 grammes de beurre. Alors, vous pouvez mettre moitié beurre et puis moitié sein doux. Ça marche bien hein, aussi. Donc voilà. Et 300 grammes de beurre. Paf. Et ensuite. Donc une fois que vous avez ça, donc les liquides et le beurre, on est bien d'accord. Je peux répondre à une question? Ouais. Parce que je connais la réponse. Alors oui, Pascal, on peut congeler les pâtes, sauf la pâte à choux. C'est vrai ou pas? Si, si, là, la pâte à Ah choux. bon? Ah d'accord. Ouais, si, si, Bon, ça bah alors marche bien. on peut tout congeler Ouais, si, à si, la pâte à choux, condition ça marche bien. de les garder dans les films étirables. Voilà. Ouais. Parce que notre ami Pascal, il a un restaurant aussi. Voilà. Alors là, par contre, la pâte à pâté croûte, si vous voulez la faire à la main, je vais vous dire un truc, bon courage. Hein. Parce que alors là, ça va être une galère finie. Hein. Donc ensuite, vous mettez la feuille. Mettez la feuille. Et puis, alors. Alors au début, là, vous y allez en petit à coup parce que. Ouais. Alors vous savez, normalement, là, il y a un truc au-dessus. Hein. Donc. Et là, vous allez laisser mélanger jusqu'à ce que ça fasse un beurre homogène mélangé avec les liquides. Alors, vous allez voir, c'est assez long. Il faut un petit peu de temps. Mais attendez bien. Donc là, on a 75 grammes d'eau, 5 grammes de vinaigre blanc. On a les 300 grammes de beurre, les 15 grammes de sel, les 5 grammes de sucre, les 75 grammes d'œuf. J'ai préparé ma farine là.
Alors, ce qui est intéressant avec la pâte à pâté, bah, Pascal, voilà, toi, tu ne vas pas en faire 500 grammes. Hein. Ce que tu peux faire, c'est en faire. Voilà. Ouais. Alors là, c'est la cata. Hein. Ouais, là, j'ai fait. Ouais, donc ne faites pas comme moi, hein, mais mettez bien là, votre truc dessus. Ou alors munissez-vous d'une bonne assistante. Oui. Qui va nettoyer par terre. Donc oui, toi Pascal, toi quand tu vas faire ça, tu vas faire ça dans ton batteur, tu vas aller faire là, par 5 kg de farine. Parce que tu vas voir, ça va acheter mieux. Tu vas mettre la pâte sous vide. Oh. On va dire que vous n'avez rien vu. Non, vous n'avez rien vu. Moi, je ne suis pas professionnelle de la cuisine. Voilà. Donc, un petit coup de désinfectant et puis on va passer. Oh là 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 là. Ouais, donc Pascal, ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Nous, on la met sous vide en paquet de 1 kg. 1 kg, nous, ça correspond à peu près à nos moules. C'est-à-dire que pour faire un pâté croûte de 60 cm, il faut 1 kg. Il faut 1 kg de pâte. À peu près 700 grammes pour faire le fond. Et puis avec le reste, je fais le couvercle et puis les petites décos. Donc là, j'ai préparé ma farine avec ma fécule. Donc, on va attendre. Alors, moi, souvent, ce que je fais, si je vois que c'est un petit poulet, j'ai mon petit chapeau. Il y a Pascal qui dit, j'ai aussi une très gentille assistante, Marie. Ouais. Est-ce qu'on a un briquet à vide? Parce qu'on a arrêté de fumer, donc on n'a plus de briquet maintenant. Il me semble, mon amour, qu'il y en a un sur le rebord de la cheminée. Le petit chalumeau, là, vous allez voir, c'est bien bien pratique. Là, c'est juste un petit coup. Hein. Je n'ai jamais dit qu'il fallait faire fondre le beurre. C'est juste le fait de le ramollir un petit peu, ça va aider à ce que ça se mélange un petit peu plus vite. Parce que nous, quand on fait ça, bah, bien évidemment, on peut faire d'autres choses. Donc au bout d'un moment, bah, vous pouvez accélérer un peu. Là, je chauffe juste un petit peu, juste pour ramollir juste un petit peu le beurre. Non, il a une assistante aussi, Pascal. C'est bien. Bah, oui, bah, de toute façon, hein, on a nos assistants qui sont toujours de bonne, qui sont toujours de bonne volonté, qui sont tellement gentilles. Hein, que... Voilà. Là, ça commence à être à peu près mélangé. Donc, voilà, bon, bah, là, vous avez vu, là, j'ai un petit peu accéléré. Accélérer le truc avec le chalumeau, il a fallu un petit peu plus de 5 minutes. Donc, quand on le fait dans le grand bac, on a 2-3 kg de beurre. Là, par contre, il faut une vingtaine de minutes à peu près. Avec la feuille. Donc, quand on en est là, alors ça ressemble à une crème au beurre. En fait, je vais peut-être vous montrer.
Ah oui. Hein? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Le tout, tout mélangé là. Ouais. Voilà. Donc quand on en est là, bah, c'est super simple. Hein. Donc vous rajoutez la farine avec la fécule. Alors il n'y a personne qui a demandé à quoi servait la fécule. Ça, c'est quand même bizarre. Non, pas de question. Ouais, ça, c'est parce qu'ils s'en foutent, en fait. Non, non, je pense qu'ils sont très, très concentrés sur ce que tu racontes. Donc, à partir de ce moment-là, vous laissez bien la feuille. Ça, c'est hyper important, là, ce que je vous montre. Moi, c'est vraiment une pâte que j'ai mise au point à force d'en faire, qui est beaucoup plus simple que celle que je faisais chez Monsieur Chapelle. Parce que chez Monsieur Chapelle, on en faisait une vachement bien. Elle était très, très bonne. Elle était très, très compliquée à faire. Elle était très très longue à faire et avec les employés c'était ultra difficile. Donc du coup avec celle-là là maintenant c'est vachement plus simple et elle est super bonne. Donc quand vous en êtes là, vous allez remélanger. Alors n'attaquez jamais à fond, hein. Mettez juste des petits coups là, juste pour que ça, voilà, juste pour que ça mélange juste un petit peu. Ouais, parce que là, on ne le voit pas à l'écran, mais il y a des petites... petit coup de fumée, là. Ça gicle un peu. Et puis, quand vous voyez que ça commence à être un petit peu mélangé, là, vous mélangez. Alors, vous allez voir, vous allez être surpris. Parce que ça va nous donner un résultat de quelque chose de assez mou. Et alors là, vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qui nous a fait? Qu'est-ce que c'est que cette pâte daubée? Alors à la fin, là, vous pouvez accélérer un petit peu si vous voulez. Alors, papa dit la fécule sert à épaissir. Oui, et ça sert surtout à porter du croustillant. Alors là, je rajoute juste un petit peu d'eau dedans parce que je la trouve un petit peu dure. Je vais rajouter juste un petit peu. Hein. C'est super important quand vous faites de la cuisine, regardez, observez et vous touchez, rectifiez. Voilà, donc là j'ai rajouté juste un peu d'eau. Là je vais en mettre juste un petit peu. Encore. Alors après j'ai fait des essais avec des pâtes qui étaient un petit peu assaisonnées, avec des poudres. Alors, bah, par exemple, avec de l'ail des ours, avec du basilic, avec tout un tas de trucs, mais avec de la poudre. Voilà. Là, on a une texture là, qui va être super. Alors là, si vous la voyez qui tourne, là, vous voyez que on a absolument rien d'une boule. Là, on a un truc qui est mou. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez? Monte un peu plus. Voilà. Là, c'est vraiment... Il faut vraiment avoir ça. C'est ultra mou. Hein. Ultra mou. Et alors là, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'évidemment, il est impossible de faire du pâté croûte dans la foulée. Hein. Il faut que ça repose. Alors, vous allez prendre un petit papier film ou un petit récipient. Et puis, on va débarrasser notre pâte à pâté et on pourra l'utiliser demain. Mais pas aujourd'hui. Pascal dit moitié farine de châtaigne. Non. Non. Mais alors après, si tu veux faire des essais, le problème avec la farine de châtaigne, c'est que tu vas avoir un truc mou. Encore plus mou que ah bah mou. Ouais. Ok. Ouais. Donc là, eh ben, vous voyez, hein, on a une pâte là qui est quand même molle. Hein, hein. T'es beau. Voilà. Oui. Donc, mettez ça dans votre récipient. Ah, c'est une pâte qui ressemble à du beurre. Voilà. Oh, c'est dommage, on ne la voit pas comme je voudrais qu'on la voit, la pâte. Alors, attendez. Je vais vous la monter jusque sur l'œil de la caméra. Là. Et si on fait ça? Non, ça ne change rien. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Ouais, donc c'est assez mou, hein. Hein, voilà.
Ça, un petit peu, ça ressemble un petit peu à du beurre. Voilà. Alors, vous pouvez la faire avec des graisses animales. Hein. Ça marche. Mais quand même, je dois quand même dire qu'avec le beurre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Hein. Moi, j'ai fait plein d'essais. C'est avec le beurre qu'elle est la meilleure. Ouais, parce que tout à l'heure, pendant la lecture, hein, je lisais le feuilletage espagnol qui est fait avec la graisse de rognon de bœuf. Bah ouais. Bon. Bah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se remettre sur notre feuilletage. Alors, vous vous rappelez, on a fait nos petits tours avant. Hein, donc, oui. Alors, le feuilletage, bah, on le ressort du frigo. Vérifie maintenant, Carole. Elle vérifie tout pour voir s'il n'y a pas de... s'il n'y a pas des trucs à dire. Donc, on a notre feuilletage qui est froid. Bon, là, il aurait fallu que je le laisse beaucoup plus longtemps. Mais j'ai envie de vous faire voir ça jusqu'au bout. Donc, ça va être un petit peu difficile pour mes petits bras, mais bon. Là, ça va aller. Donc, alors, vous le ressortez. Un petit peu de farine. Bon, Lionel, tu suis bien. Hein. Un petit peu de farine sur votre plan de travail. Votre rouleau à pâtisserie, votre petite balayette, je ne sais pas ce que j'en ai fait, elle est là. Et voilà. Et là, vous étalez gentiment. Alors, une fois, j'ai un client qui était dans un cours de cuisine ici, c'était des Norvégiens, et il m'a fait le calcul du nombre de feuilles. Alors, je ne me souviens plus, mais on dit 1000 feuilles, mais c'est faux, en fait, il n'y en a pas 1000. Je peux poser une question? Ah oui, mon ami. Donc Jean-Pierre demande, et avec la graisse de canard, c'est possible? Avec la graisse de canard, de faire la pâte à pâté? Non, oui. Oui. Ouais, alors, on a fait des essais, Jean-Pierre, avec la graisse de volaille, et on a eu des résultats qui étaient assez mitigés. À savoir qu'on a eu des pâtes qui étaient assez molles, oui, c'est ça, et qui étaient très très grasses. Ça mouille trop. Ouais. Mmh. Et qui étaient très très grasses. Et à la cuisson, bah, le gras il fout le camp, alors que le beurre reste quand même vachement dedans. Ouais. Alors ça aurait été une question à poser à notre ami Arthur Lequel. Je pense qu'on le réinvitera, Arthur, parce que j'ai l'impression que vous avez bien bien aimé sa petite intervention là, de la semaine dernière où il nous a expliqué un petit peu ce qui se passe d'un point de vue science quand on fait les choses dans la cuisine. Alors, si on est arrivé à des résultats qui étaient bons en mettant un tiers de graisse de volaille, alors que ce soit de la graisse de poule ou du canard, je pense que c'est la même chose, et puis le reste en beurre. Là où ça marche le mieux, c'est quand même avec le sein doux. Avec le sein doux, là, par contre, là, ça marche bien. Donc là, je continue. Hein. Donc, vous faites gaffe hein, à rester à peu près rectangle. Hein. Vous faites des petites rectifications à la main. Lorsqu'il faut. Hop. Attention, Lionel, regarde bien. Hein. Parce que ça, c'est pour toi, hein, mon yo-yo. Hein. Ouais. Alors là, par exemple, là, j'ai une petite bulle qui s'est formée. J'aime pas ça parce qu'après, ça peut m'enlever de la régularité. Parce que vous savez, si je fais, par exemple, si je fais des petits vols au vent, si je fais mes petits vols au vent, là, ronds comme ça, mon objectif, ça va être que ça monte bien, bien droit et que ce soit hyper régulier. Donc, si j'ai une bulle comme ça, bah, la bulle, elle va me foutre la merde dans ma levée. Et quand ça va lever, bah, ça va lever un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Ou ça va se décentrer. Bon, moi j'aime bien que les choses soient bien, bien carrées. Alors là, c'est très simple. Hein, je fais juste un petit trou, je fais sortir l'air. Donc, c'est vraiment de l'air qui est à l'intérieur. Voilà. Ouais, c'est de l'air qui a été emprisonné. Voilà, et je rebouche. Tac. Juste une petite opération. Après, vous n'êtes pas obligé d'être pénible comme moi.
Là, tu sais, ils sont en train de se dire, putain, qu'est-ce qu'on aimerait pas aller travailler à la ferme de la Ruchotte avec ce fou, là. Mais les gens qui travaillent là, ils sont tous heureux. Bon, à peu près tous. Il y a des bulles, là. Ouais. Donc là, hop. On essaye d'être à peu près régulier dans notre épaisseur. Là, j'avais une autre bulle, je l'ai enlevée. Oui, oui, je la vois, là. Voilà. Ouais. Et alors là, hop, on va replier. Encore une fois, Lionel. Hein. Donc là, on est à combien de fois en pliage, je vous prie. On va voir si vous suivez un peu. Ouais, d'accord. Donc on est à 3 fois. Mais attends, tu sais qu'il y a un décalé, amour. Hein, donc, il y a un décalé. Oui. Donc on est à 3 fois, donc on va refaire encore une fois. Et après, ça sera terminé. Après, notre feuilletage sera prêt à être utilisé 24 heures après. Laissez-le bien, bien reposer. Si vous voulez avoir des jolis feuilletés qui lèvent bien, laissez bien reposer votre pâte. Alors, Lionel et Pascal ont répondu 4. Oui. Ouais. Et John demande si le pâté en croûte est une origine régionale. On en fait dans la France entière. Et alors, de dire en croûte, bah, c'est une connerie. Hein. Parce qu'un pâté... C'est moi qui dis ça. Non, mais on le dit tous, bah, parce que les gens ne comprennent pas sinon. John l'a bien dit, il a dit pâté croûte. Ouais. Ouais. Alors que bah, dans le mot pâté, bah, y a pâte. Donc, en cuisine ancienne, bah, quand c'est un pâté, ça veut dire qu'il y a de la pâte. Dedans. Alors ça, je le sais là, depuis quelques années, et c'était Arthur qui m'avait expliqué ça. Arthur Lequen, que vous avez vu vendredi là dans notre live. Et il m'avait dit que normalement, de dire pâté croûte, c'est comme de dire, je sais pas, bonjour. Ah oui, d'accord, hein? Ok, d'accord, hein? D'accord. Ok. Donc voilà, donc on a fait nos petits tours, hein. Tac, tac. Bon, j'ai essayé de finir hyper régulier. Voilà. Et voilà. Ouais. Alors, je vais essayer de vous faire une petite entame pour vous montrer qu'on voit les petites feuilles. On voit les petites feuilles qui se font. Vous allez voir. Alors, j'espère qu'à la caméra, vous allez le voir, mais on le voit. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que vous voyez? Oui, voilà. Ouais. Magnifique. Voilà. Alors là, eh ben, on met notre petit papier film. Hein. Et on va mettre ça dans notre frigo 24 heures. Ou si vous voulez le garder un petit peu plus longtemps, bah dans votre congélateur, hein, ça marche très très bien. Puis vous en ressortez un petit peu. Donc là, on a fait que 500 grammes. Mais l'idéal, c'est de faire 1 kg de farine, ça marche mieux. Voilà. Là, j'ai voulu vous faire 500 grammes pour bien bien vous montrer. En me disant que chez vous, 500 grammes, c'était déjà pas mal, quoi. Parfait, ouais. Est-ce qu'il y en a qui font la recette en même temps que toi, là, ou pas? Ah bah, je ne sais pas. Ah, c'est bon. Ouais, tiens. On voit, hein, les... Oui. Bon, moi, je mange. J'adore. Ouais, petite feuille. Allez, je vais remettre un petit propre sur ma petite table. Et je vais monter à faire ensuite la pâte à tarte. Alors, ou salée, ou sucrée. Donc, c'est la pâte brisée. Ouais. Donc, alors, les ingrédients pour la pâte brisée, il y a
Fais pas trop de bruit parce que sinon ça sature. Hein. Ah oui, pardon. Donc, pour la pâte brisée, donc, il y a 500 g de farine, 250 g de beurre, 2 œufs, 100 g de sucre et 10 g de sel. Donc 500 g de farine, 250 g de beurre, 2 œufs, 100 g de sucre, 10 g de sel. Alors là, par contre, vous allez pouvoir utiliser une farine, voilà, là, c'est ou une 45, ou une 55, ou une 80, je veux dire, ça n'a aucune importance. Là, c'est avec votre goût, là. Et par contre, si vous voulez mettre autre chose que du blé, moi, par exemple, qui ne mange aucun gluten, je suis devenu allergique au gluten avec, avec mes années en cuisine à manger des mauvais gluten. Bah maintenant, je ne mange plus. Donc, je fais des essais de pâtes avec d'autres farines, avec de la farine de riz, avec de la farine de châtaigne, bah, comme a dit Pascal tout à l'heure, avec de la farine de sarrasin aussi, ça marche bien. Alors après, ça fait des pâtes un petit peu différentes, mais j'ai fait quelques essais. C'est... Bon. Bah, voilà, c'est bien. Bon, bah, quand on ne peut plus manger de gluten, bah, c'est une vraie galère. Hein, parce que quand on sort, quand on... Voilà, quand on va chez les copains, Bah, t'emmènes ton pain, voilà. Emmène ton pain pour le pain. S'il y en a que ça intéresse, je vous montrerai aussi à faire du... Ah oui. À faire du pain sans gluten, parce que j'en fais, ouais. Il est bien réussi, ouais. Hein. Ouais. Donc, sucré, salé, farine. Voilà. Là, c'est vraiment c'est du live. Alors, notre pâte brisée. Alors, là, il va falloir bien suivre la technique parce que c'est super important. Veux-tu que je te rappelle les ingrédients Oui, chère collaboratrice. Je veux bien, maintenant que j'ai décidé de suivre un peu. Oh, je suis méchant. Oh oui. Ah, ouais, mais ça, c'est ma spécialité. Oh, t'es cri-cri méchant. Alors, oui. Donc, ben, voilà, donc 500 g de farine, 250 g de beurre, 2 œufs, 100 g de sucre, 10 g de sel. Alors. Mais alors, ça, c'est pour la sucrée, parce que pour la. Non, pour la... c'est alors, c'est. Oui, oui, oui. Ça, c'est pour la sucrée. Et si vous voulez faire une salée, eh ben, vous enlevez le sucre. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que tu mets à la place Parce que ça fait quand même 500 g de farine. Oui. Oui. Mais, D'accord. Tu as 10 g de sel déjà. Ah oui, c'est vrai. Dedans. Ouais. Ouais. D'accord. Ça va, je peux continuer. Oui. Donc, la première chose à faire, c'est mettre votre farine. Alors, on va prendre 500 g de farine. Je vais rajouter 1 g de sel. Voilà, et si vous voulez faire une pâte sucrée, et ben vous mettez du sucre. Moi, je vais me contenter de mettre du sel parce que comme ça, je ferai une quiche. Voilà. Donc ensuite, on va rajouter le beurre. Donc on a 250 g de beurre. C'est très facile à se rappeler, c'est moitié du poids. Alors, 250 g de beurre que nous allons mettre dedans comme ça. En petits morceaux. Donc, c'est de travailler avec du beurre mou, hein, parce que bah, c'est quand même vachement plus... C'est plus agréable et ça va beaucoup plus vite. Après, quand vous allez les mélanger. Alors, 250 g de beurre. Mmh.
On a les idiots du gouvernement là, qui sont en train de s'exprimer, là, non? Enfin, bon, je dis les idiots, c'est pas... Je ne sais pas l'heure qu'il est. Si, il est 19h21, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, il paraît qu'on va être reconfinés tous. Bon, on en discutera demain, hein, de tout ça. Oui ou pas, on n'est pas obligé. Oui ou pas. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais sabler. Alors, c'est vous le faites à la main, hein, à la main, c'est-à-dire que vous allez faire ça entre vos mains. Vous allez faire le geste comme ça, avec la farine et puis avec votre beurre. Voilà. Alors, bien évidemment, avec la feuille, ça va beaucoup plus vite, hein, pour les feignants comme moi. C'est 20 heures. C'est à 20 heures. Allez, on a encore un peu de temps. Donc, on met notre feuille. Oui, ben, voilà. Et on sable. Alors, c'est toujours la même chose. Au début, ben, vous allez mollo, hein, parce que sinon, ben, on en fait partout. Voilà. On va sabler. On va sabler notre pâte. Donc, l'objectif, c'est d'enrober chaque grain de farine d'un petit peu de beurre. Alors, à la main, ça marche bien. On peut le faire aussi. Alors, à la main, ouais, ce qu'il faut faire, c'est qu'en premier, c'est que vous essayez de mélanger un petit peu la farine avec le beurre. Et puis, à la fin, là, bah, vraiment, là, vous faites ça. Hop, là, vous prenez comme ça, là, votre masse, et puis vous frottez bien entre vos mains. Mais c'est avec bien. Le kitchenette, là, ça va tellement bien. C'est comme si on travaillait la semoule, en fait. Hein. Ouais, 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 c'est ça. Bah, l'objectif, ça va être d'obtenir de la farine enrobée de beurre. Ça va ressembler un petit peu à de la semoule. Ça va ressembler à de la semoule. Oh. Je suis désolé, Jean, je ne peux pas m'empêcher de faire l'imbécile. Je ne sais pas s'il est toujours là, Jean. Je pense que oui. Donc là, regardez, je vais enlever et je vais vous montrer. Vous allez voir que ça ressemble à de la semoule. Ouais, c'est beau. Est-ce que vous voyez ou est-ce que la lumière est trop forte? Non, non, c'est parfait. Ouais. Ah bah là, c'est parfait. Ouais. Voilà, donc ça ressemble à une semoule, hein. Alors, quand on en est là, alors vous avez vu, c'est l'inverse de ce qu'on a fait avec la pâte à pâté. Hein. Comme une pâte à crumble, oui, presque. Ah bah si, ouais. Si, c'est ça. Au rendu. C'est ce qui était dit. Ouais, ouais, oui. Sauf que pour le crumble, c'est comme... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, sauf que dans ton crumble, tu vas mettre... Il y a mille et une façons de le faire, mais ouais, tu vas mettre du sucre. Ouais. Non, mais la consistance. Ouais, il y a une cristallisation, ouais, qui va se faire après avec le sucre. Donc, quand on en est là, on va commencer à incorporer notre liquide. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Deux œufs et toujours un petit peu d'eau, parce que vous allez voir. C'est toujours la même chose, c'est que les densités changent, l'hygrométrie change. Alors, toujours, vous cassez bien vos œufs à part, hein, parce que... Et là, ce n'est pas utile de les peser ? Non. Même en pâtisserie, où c'est hyper... Non, non, là, il n'y a aucun souci avec cette recette, parce que vous allez voir que voilà. En fait, quand j'ai mis au point cette recette-là, je me suis dit, il faut que ce soit simple à faire. Donc, le fait de mettre deux œufs, on va être en dessous de ce qu'il nous faudra en liquide. Donc, du coup, on va être obligé de rajouter un petit peu d'eau. Mais l'eau, nous allons la rajouter à l'œil. Donc là, je rajoute mes deux œufs. Hop. Dedans. Et je continue à mélanger avec la feuille. Hein. Donc là, ça s'épaissit. Forcément, parce que ça se mue. Et sans tarder, là, je vais arriver avec de l'eau. Et je vais mettre un petit peu d'eau dedans.
et vous allez rajouter l'eau tranquillement jusqu'à obtenir une pâte, mais pas trop épaisse. Hein. Éviter, c'est de la mélanger pendant 25 minutes hein, parce que le plus vous la mélangez, le plus vous étirez vos gluten et le plus ça va être très très compliqué après de l'étaler. Ah, là, on a une pâte là qui est nickel. On fait toujours un petit coup à fond, un fond à la fin. Voilà. Et là, on est bien. On a une pâte qui est super. Alors moi, ce que j'aime bien faire lorsque je mets du sucre, c'est de mettre le sucre avec la farine et le beurre, ce qui fait que le sucre a du mal à être mélangé dedans. Et quand on met dans le four et qu'on cuit un petit peu chaud, il cristallise, il caramélise. Donc ça donne un super goût. Alors là, eh ben, hop, là, c'est simple. Hein, je vais faire une boule. Tac. Et là, je suis prêt à faire une tarte. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais alors, elle est jaune, là. Ah oui, très, très jaune. Mais ça, c'était jaune d'œuf. Hein. Voilà. Oui. Et là, vous avez une pâte qui est prête à être utilisée parce que là, on pourrait la mettre dans le moule directement. Moi, ce que j'aime bien mettre à la place du sucre en poudre, c'est le miel. Une bonne cuillère à soupe de miel, pas trop riche en termes de goût, parce que ça casse un peu. Mais le miel, c'est super bon. Alors, oui. Ouais, ça marche bien aussi. Il y a un truc qui... Alors, par contre, vous faites attention si vous mettez du miel, parce que le miel, c'est un petit peu liquide. Il faut le mélanger au beurre. Oui. Donc, il va falloir faire attention avec l'eau, après. Il faut le tiédir avec le beurre. Donc là... On va la mettre dans le frigo. On l'utilisera 24 heures après, c'est mieux. Elle repose bien. Ce que vous allez faire le lendemain, avant de faire votre tarte, vous la sortez 25 minutes environ avant, histoire qu'elle ramollisse un peu. Parce que vous allez voir, vu qu'il y a énormément de beurre dedans, si vous la sortez et puis que vous attaquez avec le rouleau à pâtisserie, vous allez vous péter les mains, quoi, parce que ça va être vraiment dur. Donc, vous la sortez un petit peu avant. Même chose avec la pâte à pâte et croûte. Vous la sortez un petit peu avant. Et la pâte feuilletée aussi. La pâte feuilletée, c'est très simple. C'est que si vous les essayez de l'étaler à froid, vous allez appuyer dessus. Vous allez briser les petites feuilles et elle ne lèvera pas. Donc, il faut la sortir un petit peu avant. Voilà, donc ça, ben, je vais le mettre dans le frigo et puis on se fera une tarte demain. Est-ce que vous avez des petites choses à demander? Donc, j'avais dit, Fabienne m'avait demandé à aborder le sujet de l'assaisonnement des crudités. Alors, assaisonnement des crudités, bon, avec Carole, on aime bien faire huile d'olive, citron et puis sel. Il y a un truc qui est sympa quand même à faire, c'est de mettre du sel sur vos légumes un petit peu avant. Oui. Bah, principalement avec des légumes voilà, comme la tomate, le concombre. Le concombre, oui. Voilà, comme ça, ça dégorge un petit peu. Mm. Après, si vous voulez vraiment une recette pour faire de la vinaigrette, bah, c'est simple. Hein. Vous mettez 100 g de vinaigre ou de jus de citron et puis pour un litre d'huile d'olive ou d'huile... voilà. Oui, puis tu utilises ton liquide de lacto-fermenté. Ouais, ouais. Moi, de temps en temps, comme on fait beaucoup de lactofermentation, j'utilise le liquide de la lactofermentation à la place de mon vinaigre. Ouais, c'est très très bon. Et c'est super bon aussi. Alors après, si vous aimez que ce soit un petit peu acide, eh ben vous augmentez un petit peu la dose jusqu'à 200 ml au litre de vinaigre ou de jus de citron. Vous pouvez vous en préparer en avance avec un petit peu de sel. Alors si
faites fondre le sel dans votre liquide et vous mettez l'huile après, parce que vous savez que les que le sel, le sucre, c'est insoluble dans le dans l'huile. Et puis bah nous on n'est pas très moutarde dans notre vinaigrette, on n'aime pas trop ça. Non. Alors après ouais, je trouve que si on a des super bons légumes, les assaisonner avec de la moutarde, c'est un petit peu bête et dommage. Bon, après, il y a des gens qui aiment. Hein. Ça dépend ce qu'on mange hein, aussi avec. Mais si vous mangez vraiment des crudités, et puis beaucoup d'herbes hein, aussi, énormément d'herbes dedans. Bah oui. Essayez de vous inspirer de ce qui se fait dans le sud, hein, dans le sud, et puis dans les pays du Maghreb, et puis le Liban, la Syrie, l'Iran, voilà, où il y a des... où il y a des magnifiques salades, la graisse aussi, huile d'olive, jus de citron, du sel fondu dans le jus de citron. Alors, la dose de sel, c'est 20 grammes à peu près au litre. Voilà, un petit peu fondu dans 100 grammes de jus de citron. Et puis, bah, vous pouvez garder ça. Alors, si vous mettez de l'huile d'olive, évitez de la mettre au frais parce qu'à partir de 10 degrés, elle fige. Donc, au-dessus, ça va, mais à partir de 10, elle fige. Sinon, après, bon, bah, par exemple, si vous avez un petit céleri, c'est vrai qu'un petit céleri rémoulade aussi, ça peut être bon. Hein. Voilà, donc avec une mayonnaise, et puis bien moutardée, là, par contre. Et puis, bah, ma foi, voilà. Après, pour les assaisonnements de vos crudités, il faut laisser aussi aller votre imagination. Moi, ça m'arrive, là, j'avais fait, là, l'autre jour, j'ai fait une petite recette qui sera diffusée sur France 3, pour le lundi de Pâques. C'est un truc qu'on a enregistré avec France 3 jeudi dernier. Et j'ai fait une petite recette, un œuf. J'ai mis une salade de navet. Et donc, ma salade de navet, je l'ai assaisonnée avec une huile à la sauge. C'était ce que je vous avais montré là l'autre jour. J'ai fait une petite infusion, c'est-à-dire qu'on fait chauffer légèrement l'huile, voilà, à 50 degrés maxi. Vous mettez votre herbe fraîche dedans, vous faites infuser, et puis ensuite vous filtrez. Donc j'ai fait une petite vinaigrette avec du jus de citron, avec du miel, avec du sel, et avec mon huile d'olive à la sauge. Et on pourrait imaginer de faire de l'huile d'olive avec de l'ail hein, aussi. Avec de l'ail, là, ça, là, c'est des choses qui marchent bien. Ouais. Martine demande si un cours bientôt, je suppose que tu... Il y a un décalage, Martine, donc j'essaie de deviner. Je suppose que tu penses à la lactofermentation. Si c'est ça, ben oui, de toute façon, ce sera au programme. Ouais, ouais, la lactofermentation, ouais. Ouais. Alors ouais. Là, pour le moment, vous savez... bon, il faut quand même que je vous dise qu'au niveau de la ferme, on n'a pratiquement aucune activité parce que moi, relancer les activités de la ferme à fond, bah, ça coûte beaucoup d'argent que nous n'avons plus là, à cause de ce confinement et de ces 7 mois d'inactivité. Donc là, pour le moment, oui, on va relancer toute la partie jardin au mois de mai. Là, pour le moment, j'ai pratiquement rien. Hein. Il me reste quelques navets. Un peu de patience. J'ai de la moutarde. On a notre mesclun, mais qui pousse parce qu'on ne le vend pas. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, on va faire de la place. On va s'y mettre au mois d'avril et puis au mois de mai. Et puis, on va essayer de faire un jardin peut-être un peu moins grand, mais qui sera peut-être mieux parce que, bon, je vais avoir le temps de m'y mettre vraiment dedans. Et puis, je vais me faire aider aussi par les gens qui travaillent ici avec nous sur le restaurant. Parce que je pense que ça va leur faire du bien de voir un petit peu ce qu'on peut faire, le travail de la terre. Vous savez, lorsqu'ils sèment un légume et puis qu'ils le récoltent, quand ils arrivent dans la cuisine, j'ai remarqué qu'ils avaient beaucoup plus de respect, qu'ils en jetaient moins. Parce qu'évidemment, ils ont vu le labeur que c'était de le semer et puis de le récolter. Donc, à l'arrivée, bah, quand ça débarque dans la cuisine, on ne jette plus rien et on fait attention à tout. Donc, voilà ce que je peux vous dire, c'est que de la lacto, on va en faire, ouais. On va en faire parce que moi, j'adore faire ça. C'est super bon à la santé. Là, c'est les probiotiques. C'est un truc de dingue. Et
Le kéfir et puis la lactofermentation, si vous avez ça dans votre alimentation, vous avez besoin de rien d'autre, hein, de rien d'autre autour. Hein. Oui, alors Pascal demandait en amont cours sur le kéfir, bah, de façon. Bah, le kéfir, ouais. C'est alors, le programme aussi. Mais... Oui, c'est vrai que j'en ai pas fait, mais c'est un petit peu idiot parce que j'ai vu que Gilles Lartigot en avait fait un. Et puis, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, ils vont tous aller voir ce que fait Gilles, parce que moi, je suis abonné à sa chaîne, mais je ne sais plus si le cours, il l'a fait en public ou en privé, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Donc, oui, ça, je vous ferai ça. Ouais. Je vous ferai ça. Bah, là, du kéfir, là, je peux vous en montrer, parce que j'en ai lancé un. Mais qu'on utilise aussi, que Fred utilise pour ses animaux hein, également. Hein. Là, j'en ai lancé un. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Là. Si, ouais. Ah, ouais. Donc, si vous voulez voir un petit peu... à quel point mes grains sont gros, hein. Ultra boostés là. Oh là là. Ouais. Voilà. Si vous voyez. Voilà. Bah, moi j'en bois un petit peu tous les jours hein, parce que ça fait du bien. Bah, moi j'aime bien aussi, mais il faut que le corps s'habitue. Enfin, le corps s'habitue très très lentement, c'est très long. Ouais. Donc ça me fait un peu souffrir par moment. Voilà. Je ne suis pas assez patiente. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses Lionel dit qu'il veut toutes tes recettes de mayonnaise. Bah, Lionel, quoi te dire La recette de la mayonnaise qu'on apprend à l'école, elle est très simple. C'est 3 jaunes d'œufs, c'est 100 g de moutarde, 20 g de sel que vous mettez à fondre dedans, et puis 1 litre d'huile. Ouais, ou sinon, c'est sel d'Amérique. Voilà. Hein, voilà. Ou sinon, alors, j'allais le dire, Carole, c'est la reine de la mayonnaise. Bah oui, parce que mon père l'est et mon frère aussi. Voilà. Ouais. Elle l'a fait super bien. Mais la recette qu'on apprend dans les écoles, c'est ce que je viens de vous dire. Les 3 jaunes d'œufs, les 100 g de moutarde, 20 g de sel. Vous avez vu que 20 g de sel, c'est quelque chose qui marche bien, ou au litre, ou au kilo. Hein. Vous avez remarqué hein, ça hein. Et vous verrez, quand on fera les pâtés croûtes, la farce à pâtés croûtes, on sera à peu près là-dedans. Alors... 1h38 hein, ouais, d'émission. On va faire du pâté croûte lorsqu'on aura du cochon, évidemment. Donc, on a prévu d'abattre des cochons la semaine prochaine. Donc, les premiers, je vais faire de la transformation dans un laboratoire. Et des petites verrines, donc on va faire à peu près 500 verrines, parce que là c'est deux truies là que je vais tuer qui font à peu près 180 kg, donc ça va faire beaucoup de viande. Je vais garder deux jambons que je vais mettre au sel, et puis les épaules, et puis le reste on va faire de la transfo avec. Alors oui, je sais, vous allez vous dire c'est un petit peu dommage de faire ça, mais bon, là c'est la conjoncture qui veut ça, et qui nous oblige à faire ce choix, parce que normalement, c'est vrai que les longes, ça serait quand même vachement bien de pouvoir les faire à la ferme auberge, mais là, je ne peux pas, vu qu'on est fermé. Donc voilà, on va faire ces deux cochons comme ça, et j'en garde un autre que je vais sacrifier quand on réouvrira, et avec lequel on pourra régaler nos clients qui viendront manger à l'auberge. Voilà, mais je vais quand même garder un petit peu de viande et de gras, là, sur ces deux truies là qu'on va tuer, et je vous ferai quand même ce cours sur le pâté croûte. Alors là, vous prévoirez une heure et demie pour apprendre à faire la farce, et une heure et demie pour apprendre à le monter et à le cuire. Bon, il faut avoir un minimum de matériel. Hein, ouais. Donc il faudra vous procurer simplement le hachoir. On peut mélanger à la main. Hein. Moi, je mélange avec un appareil, mais on peut mélanger à la main, et puis les moules à pâté croûte, vous allez vous rendre dans un magasin qui vend du matériel de cuisine, où vous allez regarder ça sur eBay. J'ai vu que sur Amazon aussi, il y en avait. Bon, après, on peut faire de la polémique. C'est un peu cher, hein, mais... Ouais, un moule à pâté, ça vaut à peu près une centaine d'euros, un bon moule à pâté. Il faut préférer quand même des moules un petit peu grands. Sinon, dans les magasins spécialisés, alors je sais que à Toulouse, il y a un super magasin
Il y a un super magasin qui vend énormément de choses. Ouais. Vachement bien. Très belle boutique. À Paris, il y en a aussi. Enfin bon, là, dans les grandes villes, là, il y en a un. Sur Dijon, il y en a un aussi qui s'appelle la maison hôtelière et qui vend du matériel. Donc voilà, donc il faudra juste vous procurer ça. Parce que c'est vrai que c'est un cours, le montage du pâté croûte. Je pense que c'est bien de le faire en même temps que moi. Parce que ça va être un petit peu compliqué. Ou alors après, aussi, si, avec le replay, oui, non, mais là, je dis n'importe oui, quoi. Oui, oui. Avec le replay, vous allez pouvoir refaire, refaire votre pâté croûte. On va se programmer ça dans les semaines à venir. Réfléchissez à ce que vous avez envie de faire la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on fera notre cours, mercredi. Mercredi, voilà, parce que jeudi matin, je vais aller à l'abattoir à 4h du matin. Donc, j'ai une heure de route, donc il va falloir que je me lève à 2h. Je pense que je ne me coucherai pas. Donc, faire le cours le jeudi soir, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on fera le cours le mercredi. Et puis, voilà, bah, je vais réfléchir à des petites choses de base. Je pense que c'était intéressant là, de faire ces petites pâtes. J'espère que ça vous a plu. Et bah, écoutez, je vous donne rendez-vous demain. Oui. T'as fait une petite vidéo sur les petites naissances, sur la naissance des petits cochons. Ah oui, on a des petits cochons qui sont nés avant-hier. Mmh. Ouais, j'ai fait une petite vidéo, j'essaierai de vous la mettre. Ouais, ouais, ils sont très beaux. Là, c'est une jeune femelle. Donc, bah, il y en a très peu, 4. Elle en a fait 4, mais c'est la première fois. Donc voilà, donc c'est bien. Donc on a un petit renouvellement quand même. Mmh. Donc voilà. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous demain. Si vous voulez intervenir dans l'émission demain, vous me faites un mail et puis je vous enverrai le lien. Hein, c'est hyper simple. Hein, je vous envoie le lien. On peut être jusqu'à 10. Donc, je peux vous faire intervenir chacun votre tour. Si vous avez envie. Et si vous avez envie de dire des choses, de vous exprimer sur, sur l'actualité qui, je pense, aura changé demain. Et ben. Il n'y a pas de peur à avoir. C'est super sympa. C'est comme à la maison. On pourra, moi, je vous parlerai un petit peu de livres de cuisine demain. Là, je vais trier 2-3 trucs. Et je vous parlerai de quelque chose que j'ai fait hier, qui va vous surprendre un petit peu tous. Mais voilà, j'ai fait quelque chose. On m'a demandé de faire quelque chose demain qui n'a absolument rien à voir avec mon métier. Mais je l'ai fait. Et voilà, bon. Bah, ceux qui me connaissent bien ne seront pas surpris. Mais les autres, ça va peut-être vous surprendre un petit peu. Oh, il ne peut pas, Jean, demain. Donc, je vous en parlerai demain. Bon, dommage. Voilà. Bon. Eh bien, on vous embrasse, les amis. Allez vite voir Gilles Lartigot ce soir et un super live. Des gros bisous, à bientôt. Bisous à tous. Bonne soirée, bisous, merci bisous, beaucoup. Bisous. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais. Petit commentaire super.